Le temps additionnel, c'est votre rendez-vous après les matchs de Super League. On a trois rencontres à analyser ce soir avec Gabé Chapuisat et Guillaume Fèvre qui ont passé cet après-midi en notre compagnie. On a suivi d'abord le match du Cornaredo entre Lugano et Lucerne. Un Lugano qu'on trouvait peu serein depuis le début de l'année, en 2023 de manière générale. Qu'est-ce que vous aimez bien et qu'est-ce que vous aimez moins chez cette équipe tessinoise ? Ce que j'aime bien à Lugano, c'est la philosophie d'avant tout de l'entraîneur. Crocci Torti qui a vraiment un discours aussi positif, qui a un langage du corps aussi positif, qui s'implique beaucoup aussi dans le jeu, au bord du terrain, et puis de chercher vraiment ces solutions toujours à l'interne sans trouver des excuses d'arbitrage ou de conditions. Donc j'aime bien cette philosophie-là. Et puis oui, quelques joueurs comme Stephen, Botani, Sellar aussi, qui sont capables de faire des magnifiques actions et puis de magnifiques buts. Ce que vous aimez moins, peut-être, Gabé, il y a quelque chose que vous aimez un petit peu moins dans cette équipe tessinoise ? Ouais, moi je suis pas un grand fanatique. Moi, d'abord les matchs au Cornaredo, je les trouve tristounets. Je sais pas, ça vient du décor et tout, peu de spectateurs. J'ai de la peine à me mettre dans le bain. Donc c'est une question de contexte. Plutôt. Non, oui. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'as bas Botani qui peut nous amener quelques créations sur le plan offensif, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, ils ont plutôt subi qu'autre chose. Allez, on va revenir sur ce match entre Tessinois et Lucernois. Les deux premières rencontres avaient été gagnées par les joueurs de Mario Frick. Michael Bugnon a suivi ce match et nous dit ce qui s'est passé. Décidément, semaine après semaine, Max Meyer est dans tous les bons coups. Bon début de match du FC Lucerne. Meyer tire un corner au quart d'heure de jeu, dans la bonne zone. Sébastien Ozigwe n'y va pas et c'est Assouma Aboubakar qui peut profiter du ballon libre. Il marque pour la première fois contre son ancien employeur tessinois. Invaincus en cette année 2023, les Lucernois vont ensuite en quelque sorte se tirer une balle dans le pied. Kusdorn concède un pénalty autant discutable que stupide. Ce léger tirage de maillot aurait pu passer inaperçu. Pas pour l'Avar et pour Monsieur Kanagasingam. Zantzelar, puissance 10, le Slovène fixe, le Slovène place, le Slovène célèbre. 10e goal donc de la saison pour celui qui s'installe de plus en plus comme étant le 2e meilleur buteur de notre championnat, derrière Jean-Pierre Nsamé. Pas très en vue en première période, les Luganais vont pourtant passer tout proche de prendre l'avantage. Une fois avant la pause et une fois juste après. Dans le premier cas, un cafouillage met le danger sur le but du jeune Pascal Loretz. Et dans le deuxième, Tsellar manque une occasion qu'il n'a pas l'habitude de rater, complètement seul à 5-6 mètres du but. Et en parlant de ratés surprenants, on peut aussi citer celui de Max Meyer. L'ancien international allemand avait mieux à faire sur cette action initiée chanceusement au départ par Kusdorn. L'arrêt d'Ozigwe est pas mal, mais honnêtement, la position de Meyer méritait une plus belle frappe. Et ce sera l'une des dernières chances des hommes de Mario Frick. Et en gros, le match se termine comme il a commencé, c'est-à-dire sur une énième action confuse. Sincèrement, beaucoup d'occasions sont venues d'actions de ce style. Et dans ces cas-là, difficile de départager deux équipes, un partout et peu de spectacle. Voilà, un quatrième match sans défaite pour le FC Lucerne qui réalise son meilleur résultat comptable depuis 6 ans après 20 journées. L'année passée, la saison dernière, au même moment, ils avaient 11 points. Ça montre quand même qu'il y a eu du travail et ça se voit. Oui, bon, ils ont risqué de rejoindre. Je vous rappelle qu'ils avaient même 14 points de retard sur l'obsession dans la lutte pour les barrages. Ils ont fini à un seul petit point. Si on était même, je vous rappelle, pendant une demi-heure, le dernier match contre Servette était barragiste. Non, bravo Frick, il a amené du sang neuf, des idées et tout. C'est un autre Lucerne. Et là, je pense qu'ils sont encore capables de mieux. Ce qui leur manque pour moi, c'est vraiment un bon attaquant de pointe. Ouais, on a parlé de Mattia Crocci Torti, mais Mario Frick, c'est aussi quand même un sacré bonhomme. Oui, puis moi, là, par exemple, quand je vois sur le papier qu'il joue avec Slimani Beka dans l'axe, je me dis, pas moi si je prendrais le risque, mais là, je pourrais, il arrive à donner confiance à ses joueurs et puis l'équipe, elle tourne à ce niveau-là. Ouais, et Loretz, on le mentionne, qui était dans les buts aujourd'hui, Müller et Vasic sont toujours blessés. Loretz, c'est 2 matchs, il a 19 ans, 2 matchs, 2 buts encaissés sur penalty, dont ce goal de Tsellar qui a déjà marqué 10 buts, c'est autant que la saison dernière sur tout l'exercice. C'est vraiment un joueur qu'on apprécie.
Oui. Et puis Renard, des surfaces dans tous les bons coups aussi. C'est un de ces joueurs qui est toujours bien placé. Et puis qui a souvent tendance à agir que réagir. Donc faire la course devant le défenseur ou d'être toujours bien placé pour mettre le ballon là où il faut. Donc un joueur très important pour Lugano. Voilà pour cette rencontre. C'était la rencontre du début de l'après-midi. Il y avait deux chocs à suivre. Cet après-midi, à l'heure du goûter, il y avait le match entre IB et Saint-Gall notamment. C'est un match entre Saint-Gall, qui est l'équipe qui marque le plus dans le premier quart d'heure, comme IB d'ailleurs. Saint-Gall marque plutôt en première mi-temps, IB marque plutôt en deuxième mi-temps et c'est parti sur les chapeaux de roue avec un Saint-Gall phénoménal. IB n'a pas su comment réagir dans les premières minutes. La première occasion, elle arrive dans les toutes premières secondes même. La deuxième minute, Guillaume Menot de la tête sur un centre de Gürtler et premier arrêt de Ratchopi. Ah oui, alors, comme on dit, pierre au plancher, Saint-Gall fidèle à lui-même, que je sois à la maison ou à l'extérieur, c'est la méthode Zeidler et c'était impressionnant le début de match. Quelques secondes plus tard, le goal, l'ouverture du score de Gürtler, qui est le plus prompt après le renvoi de Ratchopi sur un corner de Quintia dévié par Stillhart au premier poteau. Ouais, et puis on sent toute la détermination de Stillhart qui vient couper ce ballon au premier poteau. Gürtler, encore une fois, aussi un joueur qui sent les coups, qui est placé comme un renard de surface pour mettre ce ballon au fond. Donc le match est lancé à ce moment-là. Joueur très très important, Gürtler. Regardez, quelques minutes plus tard, trois minutes plus tard, un nouveau corner depuis le même endroit. Et cette fois-ci, c'est la latte qui sauve IB sur la tête de Maglitsa. Ensuite, on passe à la 12e minute. C'est le premier tir d'IB et le premier but signé Cédric Itten. Magnifique but de Itten. Un geste, encore une fois, de grande classe. Et puis, à noter encore le travail de Montero qui fait tout juste avec ce magnifique contrôle orienté. Et puis cette passe au millimètre où Stillhart est juste un peu trop court pour l'arrêter. À ce moment-là, Cédric Itten rejoint Tsellar à la deuxième place du classement des buteurs. Puisque vous l'avez vu tout à l'heure, Tsellar a marqué à Lugano. Et là, on est à la 17e minute, 5 minutes plus tard, Imeri qui, d'une demi-volée, donne l'avantage à IB. Deux tirs, deux buts. C'était du 100% et du reste, ça sera les deux seules possibilités de ce Young Boys en difficulté en première mi-temps. Là, Fasnacht lève la tête, voit Imeri déposer et puis Imeri, demi-volée, impeccable et tout. Mais là, c'était salaire royal pour les Bernois. Ouais, extrêmement bien payé. IB qui était vraiment sous l'eau durant cette première mi-temps. Et ça va d'ailleurs continuer. Hein. C'est pas parce que IB mène au score que ça s'arrêtera là. Ballon en direction de Guillaume Menot qui tente un lob. Et de Cessiguer qui vient à la rescousse de Ratchopi. Oui, là, c'est important pour IB, la magnifique intervention de Cessiguer. Mais encore une fois, une course de Gürtler qui déstabilise aussi la défense de IB. Et puis Guillaume Menot qui se retrouve vraiment en situation très dangereuse. Cessiguer qu'on retrouve là, c'est Gürtler qui lui échappe. Et cette fois-ci, c'est Ratchopi qui sauve. Oui, alors là, Gürtler, il était absolument phénoménal ces 45 premières minutes. Et on a vu un petit peu la difficulté de Cessiguer. C'est le seul point négatif, entre guillemets, dans sa progression. Un petit peu de lenteur sur les premiers mètres. On continue dans cette première mi-temps. C'est seulement Saint-Gall qu'on voit la frappe de Dayaku qui va draguer le poteau droit de Ratchopi. Et encore une fois, mauvaise relance des IB. Deuxième ballon gagné encore une fois par Saint-Gall. Et puis Saint-Gall qui trouve encore la solution d'être très dangereux. Donc vraiment une grosse pression de la part de Saint-Gall. Nouveau corner pour Saint-Gall, le 11e à la 42e minute. Et une latte à nouveau sur cette tête de Velchi. Oui, c'est le même scénario qu'avec Maglitsa, sauf que cette fois, c'est Valci. C'est Valci qui est. Et puis, gardien battu, toute la défense. C'est vrai qu'ils ont été vraiment en difficulté. IB, surtout défensivement, tout le temps en retard. Mais bon, c'est un chapeau. Hein, c'est pas par hasard, c'est parce que Saint-Gall nous a fait 45 minutes. C'était du bonheur. Ouais, du pur bonheur, c'est vrai. Hein. Deux tirs, cadrés, deux buts pour IB. Bien payé à la pause, on l'a dit. Mais savoir résister aussi, alors il y a une part de chance, c'est clair, mais savoir résister malgré le fait de ne pas être entré bien dans le match, malgré le fait d'avoir ces relances qui n'étaient pas correctes, c'est aussi la marque d'une grande équipe. C'est la marque d'une grande équipe, oui. C'est la marque des équipes qui gagnent le titre. C'est clairement ça. Il faut la chance, on la provoque. On voit aussi Ratchopi qui paye de sa personne sur la frappe de Gürtler aussi, qui l'arrête avec la tête. Il y a deux lattes, il y a un poteau extérieur encore en deuxième mi-temps. Enfin, c'est tous des signaux qui montrent que oui,
eBay a eu de la chance, mais eBay a fait aussi des choses en fonction pour recevoir cette chance. Bon, ils ont eu de la chance, surtout quand ils étaient un petit peu dans la lancée de leur dernier match. Je vous rappelle qu'ils venaient de faire une sortie à Lucerne où c'était très compliqué. La 45 minutes, c'était compliqué. C'était l'horreur. C'est vrai qu'ils ont souffert le martyr. Et puis voilà, la chance, sourire aux audacieux, surtout sourire aux grands. Cette équipe, elle ne perd pas confiance, elle croit en ses possibilités. Et puis, on va voir en deuxième mi-temps. Hein, il n'a pas suffi de grand-chose, même sur un petit détail, pour que le match tourne et puis qu'on ne voit plus qu'une équipe sur le terrain. Ce match de Lucerne, c'était le 699e de eBay en Super League. C'était le 700e aujourd'hui. Et eBay a répondu présent, on va le voir en deuxième période, avec parfois des épisodes et puis parfois du brio, avec une occasion pour Montero. Tout en puissance après un 1-2 avec Eaton. Et trop de précipitation peut-être chez l'ancien Lausannois là. Oui, dommage, parce qu'il avait fait tout juste là. C'est vraiment une action solo où il s'impose. Et puis je pense qu'il a dû sentir Stilhart encore dans son dos. Et puis c'est malheureusement trop précipité dans le dernier geste. Ouais, il a fait tout juste. Je pense qu'il s'est stressé même. Ce que j'ai apprécié, c'est son démarrage, comme il a pris de vitesse. Sergio, qui croyez-moi, n'est pas le plus lent des défenseurs. Donc, c'est dommage. Montero, il a manqué le dernier geste ce soir. Malchance ici pour Gürtler, peut-être. En tout cas, c'est ce que nous, on aurait dit. Il y a cette main qui va aboutir sur un pénalty. C'est ça vous agace. Oui, mais c'est malheureux parce que au final, cette action, moi, je la vois en direct. Mais en aucun cas, je me dis, OK, c'est pénalty. Donc, et je crois que je fais partie du 95% de la vie des gens à ce niveau-là. Donc c'est dommage, je trouve qu'on devrait faire preuve d'un peu plus de psychologie et puis de ressentir les choses un peu plus, enfin de permettre aussi à l'arbitre de ressentir ces choses-là. Gold Eaton, doublé, 11e but, le 5e en 3 matchs. Et puis ça, c'est dans l'enchaînement. Hein, Dayaku qui efface Rachopi mais n'arrive pas à redresser son tir après un raté de Nias. Donc là, on est quand même encore pour IB sur 3 buts en 4 tirs. Hein, et là, après, c'est le premier tournant du match. Exactement. Parce que ça peut être la réduction 3-2, du score. Et là, et ça va être 4-1 sur avec l'enchaînement. Fasnacht droit derrière, IB clinique, IB est trop fort. Exactement. Bon, mais 3-2, ça aurait pu être un autre match. Hein. C'est vrai qu'il a fait tout juste Dayaku, malheureusement, poteau extérieur et tout, dans un angle fermé, il est vrai. Et puis, IB, ils ont des hommes décisifs qui font le geste juste au bon moment. Là, Fasnacht, on connaît, il est habile, adroit. Voilà, match terminé. Mais enfin, bref, le match était terminé à la 53e avec ce penalty. Est-ce que je vais me répéter toujours avec ce règlement ridicule et idiot? Voilà. Il y en a un autre de penalty. Stergiou et Mery dans un duel. On doit penser quoi de ça? Ouais, oui, il y a une main au visage, mais c'est très léger. C'est très léger pour permettre aussi, à ce moment-là du match, à 4-1, de siffler un penalty, au final, qui ne change pas grand-chose. Il ne change pas grand-chose. Par contre, un régal pour les yeux. C'est très, très bien tiré de la part de Rieder. Oui. Je comprends que vous ayez encore envie de parler peut-être du manque de psychologie. Non, c'est terminé. Je crois qu'on va plus revenir sur le côté idiot de ce règlement. Hein. Et puis, on sait chaque fois que la VAR l'appelle, quand on voit l'arbitre aller contrôler sur l'écran, on sait très bien qu'il y aura pénalty. Enfin, bref. Et là, chapeau, Rieder, il a pris un risque. Hein. Bon, vous me direz qu'à 4 ans, hein, il ne risquait pas grand-chose. Il l'a mis, comme on dit, il a nettoyé la lucarne. Mm-hmm. Allez, ça. Voilà, c'est. Tout rigole pour finir, mais qu'est-ce que c'était compliqué. J'aimerais bien vous entendre sur Cédric Eaton. On l'a dit, là, il marque un deuxième doublé, 11e but de la saison. Donc, il est juste derrière Jean-Pierre Nsamé. Il a dépassé Tsella. 5e but en 3 matchs. C'est un joueur qui ne fait pas trop de bruit, mais qui se retrouve finalement presque tout là-haut. Oui, et puis il ne se plaint pas, hein, parce que vous avez, Vicky, il fait un petit peu tourner l'effectif, il n'est pas toujours titulaire, hein, c'est vrai qu'il répartit le temps de jeu, et mais il répond présent contre Winterthur, je crois, De Gaulle et 3 pour Nsamé, penalty, après, il n'a pas tremblé à Lucerne, et puis là, nouveau aujourd'hui, et puis surtout, c'est important, le premier goal, pour moi, c'est un goal de classe, de qualité, hein, pied gauche, croisé, petit filet. Mais bon, c'est le vrai attaquant sur qui, il ne lui faut pas 50 000 occasions pour faire la différence. Et au-delà de ça, c'est un passeur aussi. Enfin, c'est le meilleur passeur du championnat. Meilleur passeur, oui. Donc, c'est aussi le joueur qui tire le plus au but. Oui, et puis un joueur qui est dos au but, qui est excellent, qui amène aussi souvent les défenseurs avec lui pour laisser aussi la place pour ses coéquipiers. Donc,
Enfin, un joueur qui se fond vraiment dans le collectif, et puis c'est beau à voir. Ouais. C'était une bonne pioche, une nouvelle. Il faut le dire, malheureusement, on constate, pas malheureusement. Oui, j'allais dire pourquoi vous dites malheureusement. Non, mais j'entends pour les adversaires, pour la concurrence, c'est ça que je veux pas. Je me mettais à la place des autres. Non, puis Eaton, aujourd'hui, il était. J'avais bien aimé, il a réfléchi. Hein, je vous rappelle qu'il a apporté les couleurs de Saint-Gall, il était discret dans sa célébration. Il n'a pas célébré, ouais. Exactement. Donc, bon. Un type qui a de la classe, qui aurait mérité d'aller à la Coupe du Monde pour moi. Je vous propose de filer au Wangdorf, on a une réaction bernoise. Anthony Racioppi, vos coéquipiers vous font la fête parce que c'est 5-1, mais il a fallu vos arrêts quand même, surtout en première période. Ouais, c'est sûr que c'était un match compliqué. On s'attendait à qu'on se fasse presser dès le début. On connaît Saint-Gall, c'est vraiment une bonne équipe pour le pressing, mais on a su faire le boulot et puis on repart avec les 3 points. Ça a quand même été plus difficile que ce qu'indique le score aujourd'hui. Oui, c'est sûr, quand on voit la première mi-temps, ça ne reflète pas le score, mais on a su travailler ensemble et c'est ce qui a donné ce résultat et puis on est content de nous. Content aussi de vous personnellement parce que c'est un match particulier, vous avez un nouveau statut. On sait que maintenant Van Balmos sera absent pour un petit moment. Ce statut de numéro 1, est-ce qu'il change quelque chose? C'est sûr qu'il change quelque chose car je vais jouer tous les week-ends, mais je suis préparé à ça, je me suis entraîné tous les jours pour ce moment-là et puis maintenant je vais donner le meilleur de moi-même et puis on va remporter le championnat si on continue de travailler comme ça. Voilà pour cette réaction de Racioppi, c'est génial. Déjà qu'on nous dise ça, oui, c'est vrai, ça change quelque chose parce que je vais jouer tous les week-ends. On n'est pas toujours habitué à ce genre de réponse-là. Quelles sont ses qualités à Racioppi pour vous, Anthony? C'est avant tout quelqu'un qui se pose pas beaucoup de questions sur le terrain. Voilà, il agit de manière un peu plus instinctive que certains autres gardiens. Mais là, il a des qualités de jeu au pied déjà, et puis vraiment des qualités d'explosivité aussi qui sont pour moi hors normes. Donc il a vraiment maintenant, avec cette possibilité-là d'aligner les matchs, l'occasion aussi de se développer, de prendre l'expérience dans un championnat suisse aussi qui est quand même un peu différent, je pense, qu'en France. Une école qui est un peu différente aussi au niveau des gardiens. Donc il a déjà profité de ça. Maintenant, le fait d'aligner les matchs, ça va lui faire du plus grand bien. On rappelle qu'il était arrivé un peu sur la pointe des pieds. Mmh. Il était déjà arrivé parce que Van Balmos était blessé. Comment il est arrivé dans le vestiaire? De manière discrète. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est exubérant, qui prend beaucoup de place dans le vestiaire, qu'on entend beaucoup. Donc c'est quelqu'un vraiment de discret, mais qui est... Raphaël Vicky l'a dit avant le match. Il s'est entraîné jusque-là à chaque entraînement. C'est quelqu'un qui investit beaucoup de temps aussi pour sa récupération, mais pour être prêt justement pour ce genre d'occasion quand il faut jouer, quand il faut être là. Allez, on va écouter maintenant une réaction d'un joueur du FC Saint-Gall et on en parle après. Jordi Quintilla, 5-1, c'est très lourd pour Saint-Gall. Avec quel sentiment vous pelouse du Wangdorf? Ah, c'est trop. Bien évidemment, on est triste, on est fâché. Je pense que la première mi-temps, on aurait dû mener au score. La deuxième mi-temps, on savait qu'il fallait encore un point plus d'agressivité. On ne l'a pas eu. Eux, ils ont eu 2 pénaltys, 2 malheureux pénaltys. Et voilà, ça nous a fait mal. Vous en voulez d'avoir eu ce manque de réalisme devant le but adverse en première période? Oui, parce qu'on savait, on savait qu'on pouvait faire un bon résultat aujourd'hui. On venait avec la confiance. Je pense qu'on a très très bien démarré le match. Eux, ils étaient un peu endormis. Et voilà, on n'a pas saisi nos chances. Le plus grand regret, c'est ça ou il y en a d'autres encore plus importants? Non, c'est juste ça. On sait qu'eux ici, ils sont très forts. Ils perdent pas beaucoup de matchs ici. Et s'ils ont 10 occasions, ils mettent 8 occasions, 9 occasions. Donc il faut tourner la page et il faut recommencer mardi prochain, mercredi prochain et puis voilà, ça continue ça. La tristesse, les regrets, la déception finalement, hein, c'est ce qu'on retient chez Jordi Quintilla. Et il est aussi très lucide parce qu'il a vu le même match que nous. Young Boys à 10 occasions, Young Boys met 8 buts. Oui, il a souligné et félicité Ibé pour son réalisme. Hein. C'est vrai, ça, c'est la patte des grands. Il n'y a pas besoin de 56 000 occasions pour faire la différence. Mais j'ai senti un petit peu de déception, de regret, avec raison. Hein. C'est vrai qu'on avait
le scénario, il était atroce pour les Brodeurs qui nous ont enchantés, qui nous ont ravis. Et je pense que les téléspectateurs aussi, je pense que tout le monde a applaudi sur les 45 premières minutes. Mais voilà, un match dure 2 fois 45 minutes. 2 fois 45 minutes, c'était aussi le cas à Zurich, au Letzigrund. Il y avait un autre match très important, un autre choc très important entre le 9e et le 10e à égalité de points. On parle évidemment du FC Zurich et de Winterthur. Winterthur, c'est l'équipe qui fonctionne bien à domicile avec 4 victoires consécutives, mais qui voyage plutôt très mal. Donc ils étaient avertis, les joueurs de Winterthur, et ça ne va pas les empêcher d'encaisser le premier but. But signé Ayegun Tosin, qui bat Kuster sur la première vraie occasion de cette rencontre. Oui, Tosin là, bien placé à la limite du hors-jeu, et puis qui passe juste devant Kuster pour... Il a fait parler sa vitesse, ouais, tout à fait, Tosin, hein, c'est pas exactement le plus adroit devant le goal, mais là, son explosivité a fait la différence. Mmh. Face à un Lekai justement qui bénéficie peut-être un peu moins de vitesse et d'explosion. Lekai, c'est le camion et avec la remorque. Très bien. Alors, moi, je vais anticiper un petit peu l'égalisation parce qu'elle m'a énormément plu. Il y a un joueur que j'adore à Winterthur, c'est Didjusto. Regardez, la petite talonnade, le 1-2, le ballon extraordinaire qu'il va mettre là au milieu. Ramizi qui va laisser passer. Ardaïs qui n'en profite pas, et Ramizi qui est resté là, qui la met au fond. Non, mais Ardaïs, ils vont créer un éléphant dans un corridor. C'est pas possible. Le type, la saison dernière, il est en total sans confiance. Meilleur buteur de Challenge League. Meilleur buteur de Challenge League. Et là, ça part incroyable. Ramizi, bon, dit tout au magnifique. Ramizi qui joue super intelligemment. Non, c'est pas possible. Là, il doit, au lieu de croiser, il doit la mettre au premier poteau. Un type qui est en confiance, là, il ferme les yeux, c'est gros. Non, c'est pas possible, c'est immanquable. Allez, je vous montre l'occasion de la 63e minute. Alors, c'est pas du tout ça, parce que normalement, on avait un coup franc de Guerrero. Ça, c'est une occasion de Tosin, qu'on n'avait pas vu d'ailleurs. Du coup, ouais, on la découvre, ça va aussi. Un shoot du pied gros dévié, voilà. Dévissé. Regardez cette occasion de la 78e, énorme occasion pour Winterthur. C'est une vague là qui part. On va se retrouver avec plein de joueurs de Winterthur à la fois. Et puis il va y avoir un centre de Diaby pour Gantenbrein et Brecher qui dit non. Oui, alors là c'est un magnifique contre. Hein. Ça, on pourrait le montrer dans les écoles. Un magnifique centre de Diaby. Bon, c'est Gantenbrein qui venait de rentrer. Hein. C'est plutôt un latéral. Mais enfin, bref, ils sont précipités à l'attaque. Ils ont joué pour gagner, pour finir. Et Ardaïs? Non, mais je ne dis plus rien sur Ardaïs. Okay. On ne dit plus rien. C'est pas possible. Non, mais on a de la peine à comprendre. Oui, mais c'est typiquement ce genre d'occasion qui ne sourit pas. Mais t'es toujours au mauvais endroit, Il y a juste une déviation devant lui. Et puis c'est typique. C'est typique quand on cogite trop devant le but. voilà. Il y a quand même la petite déviation, mais un joueur en pleine confiance, il ressent ça. Et puis il anticipe, il a les moyens. Ouais, il sent, effectivement. Mais là, on a un Winterthur qui est pas loin de faire la... Ils auraient pu faire les 3 points. Mais Winterthur qui a cherché cette victoire, qui reçoit Servette mercredi. Et puis ensuite, il y aura la réception de Sion le week-end prochain. S'il vient de faire à 6 points, je pense que du côté du tourbillon, et surtout... À Octodur, ouais. On peut se faire des soucis pour l'avenir. Ouais, alors on va quand même juste préciser que Winterthur, c'est 4 victoires consécutives à domicile, 4 victoires sur le score de 1-0, et que Winterthur a toujours marqué un but, ni plus ni moins, lors de ses 9 derniers matchs. Donc pour Servette et pour Sion, il faut au moins marquer 2 fois, si mes calculs sont bons. On a une réaction, désolé je vous coupe Gabet, parce qu'on a une réaction en provenance du Letzigrund. Betty Romeragui, tu as un point aujourd'hui face à Winterthur. Est-ce que selon vous, c'est un bon point ou il y a quand même un petit peu de frustration derrière par rapport au scénario? Non, c'est sûr, de frustration, surtout les 30 premières minutes, on a bien commencé, on a mis la pression haut, on a récupéré les ballons. Et après, on sait que c'est une équipe avec beaucoup de contre et on a pris le 1-1 en contre et ça ne doit pas arriver. Mais c'est sûr que c'est mieux de toujours prendre un point que perdre. Alors on a vu quand même au-delà de ça, sur l'ensemble du match, un très bon FC Zurich. Ça fait 5 matchs que vous ne perdez pas. Est-ce qu'enfin on voit le vrai visage du FC Zurich cette saison? C'est sûr, on a une bonne mentalité, surtout après la préparation. On a beaucoup travaillé sur ça et je pense que c'est la clé. Et on va continuer encore parce qu'on n'en a pas fini. Alors c'est un point aujourd'hui. Vous restez 9e, Winterthur 10e. Vous ne prenez pas vos distances. Mais finalement, comme vous l'avez dit, il y a... C'est vraiment quelque chose de bon pour la suite au vu du niveau de jeu. C'est sûr, surtout qu'on doit prendre match par match parce qu'on est dans une situation où
où on doit prendre match par match et gagner le plus de matchs possible. Je sais qu'on a la qualité aussi dans l'équipe et je sais qu'on va s'en sortir. Un point ici à Zurich, pour vous c'est un bon point ou il y a quand même un peu de frustration derrière ? Non, c'est un bon point je trouve. Quand même on a eu des occasions à la fin, que si on met le but, je pense qu'on gagne, c'est mérité quand même. Alors ce point, il n'arrange pas vraiment un club ou l'autre parce que vous restez dernier, Zurich juste devant vous. Mais quand même, au vu du jeu présenté par Winterthur, on se dit que vous pouvez mériter mieux. Oui, c'est juste. On sait qu'à l'extérieur, les derniers temps, on n'est pas très bien. Alors on prend les points, c'est positif. Mais les trois points, ça mérite mieux. Mais on est content avec le point. Et surtout, il y a une possibilité de quitter cette dernière place avec le match de mercredi en retard face à Servette. Là, c'est une belle opportunité pour vous. Oui, c'est juste. On a bien retrouvé les sensations tous ensemble. On est fort à la maison. Et je pense qu'on peut faire un bon match et on va pour gagner les trois points. Et allez, on récapitule les résultats de cette 20e journée de Super League avec donc les résultats d'hier que vous connaissez déjà. La victoire de Servette, la défaite de Sion. Aujourd'hui, le nul entre Lugano et Lucerne, tout comme entre Zurich et Winterthur. Et la victoire de Young Boys face à Saint-Gall. Young Boys, leader solide de notre Super League. Que peut-il arriver aux Bernois ? Rien du tout. Par contre, Servette s'installe à la deuxième place au détriment de Saint-Gall. Et puis Bâle gagne une place. Sion, c'est toujours très compliqué avant le déplacement de la semaine prochaine à Winterthur. Mais ce sont toujours Zurich et Vinti qui sont embourbés là-bas, tout en bas du classement de Super League. On jouait aussi en Challenge League. Évidemment, la plupart des Romans avaient déjà joué, mais il restait Stade Lozanouchi qui recevait Ville aujourd'hui à la Pontaise. Match complètement fou. 3-0 pour Ville après 37 minutes grâce notamment à un doublé de Luke Mbila. Et le slow est revenu à 3-3, notamment grâce à un doublé d'Aidini. Il y aura eu deux buts sur penalty marqués pour les Lausannois et les visiteurs qui finalement passent l'épaule 4-3 grâce à Zumberi. 3 défaites en 3 matchs pour le slow, Gabet. Bah oui, ils étaient bien placés, c'est vrai. Et surtout, 3 matchs difficiles. Je vous rappelle que c'était contre les 3 premiers, hein, contre les équipes bien placées. Donc, Lausanne, Yverdon et Ville. C'est vrai que 3 matchs 0 points, ils avaient 6 points d'avance sur Lausanne. Ils auraient pu mettre Lausanne à 9 points, mais ces 3 défaites font mal. Et surtout que Lausanne fait 3-9 et Yverdon fait 3-9 et Ville continue à bien marcher. Ouais, on le regarde directement. Gabel appelle, les résultats arrivent tout de suite avec que des victoires à l'extérieur. Regardez, celle de Lausanne, etc., etc. Non, les voici. Lausanne, Yverdon, Viltoun et Schaffhouse qui s'imposent à l'extérieur. Le classement, vous l'avez entrevu. On le revoit très rapidement avec tout devant, si vous voulez bien me le donner. Ville qui est toujours là, égalité avec Yverdon. Lausanne en embuscade qui ne lâche pas. Stade Lausanne-Ouchy perd du terrain. Thun revient et ça pourrait être très intéressant dans l'optique de la fin de la saison. Xamax, lui, est toujours dernier avec 13 points. C'est très compliqué pour Xamax. Voilà, messieurs, je vous dis merci infiniment pour cet après-midi de foot. C'était un plaisir de la passer avec vous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis également à vous. Merci pour votre fidélité. Mardi, ne manquez pas le rendez-vous de la Champions League. Elle revient dès 20h15 avec notamment un choc entre le PSG et le Bayern. On sera là, on espère que vous aussi. Et puis dans quelques instants, c'est match après match avec Vincent Rigolet et ses invités. Belle fin de dimanche à tous. Ciao.